Toujours dans la descente du petit Cordeuil option pont de la Bâtie. Cette fois armée, je vous rappelle qu'elle a plus de frein avant. Hein. Vas-y. Vas-y. Je me cache. Tu passes comme ça parce que j'ai qu'un. Je sais, je l'ai dit. J'arrive. Voilà, après les réparations, voici Gérald. Là, c'est ça en mousse. Tout en caillou. Bonjour Robert. Eric, il manque Jacques, en serre-pile. Personne derrière? Non, il y a Robert, je l'attends. On rattrape le goudron pour 10 mètres et on va plonger à travers champs vers Torrambas. Et voilà la troupe. Voilà le troupeau. En avant. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Le compte est bon. Petit pont de bois, là, petit pont aller. De bois. Petit pont de bois. Petit pont de bois. Eric dans le départ du Piégu. Bon, c'est du déjà vu, mais avec d'autres personnes. C'est parce que ça fait partie du petit circuit de mise en jambe de ce matin. Armel en bas. Bon, elle a pas de frein, mais c'est pas grave, ça monte. Sourire. Alors, sourire. Et voilà. Très dur la montée. C'est surtout que ça cabre. C'est ça qui fait tomber. Les jambes, ça va, mais ça cabre. Donc, faut bien se positionner sur la pointe de la selle et il n'y a pas de souci. C'est clair. Jacques, Lucky, Gérald. Assistance électrique. Alors, un peu de technique au passage. Ça y est, c'est dit. Assis sur la pointe de la selle. Exactement ce que je viens de dire. Éviter que la roue avant décolle. Hey, respire et tais-toi. Oh. Avant de mourir. Petit bout de descente. Gaffe Armel, hein, au frein. Oh, tu tires tout droit. N'importe où, tout droit. On passe en dessous là. Ouais, ça passe, il y a un beau virage devant moi là. Et il passe tranquille, tout doucement comme tu es, c'est parfait. Regarde, pas bien? Oui, si, c'est bien. Dans le temps, je sais, mais là... Eh oui, le problème.